sommeil agité, monsieur Prunier. Vous m'entendez? Lequel de monsieur Prunier est le plus bizarre et le plus inquiétant jamais rencontré? Il se croit fou, rongé par les hallucinations. Nous n'avons rien à vous dire de plus. Il parlera lui-même. Je ne peux pas! Allons, monsieur Prunier. Nous sommes là pour vous aider. Continuez. À peine couché, je fermais les yeux. Je m'anéantissais. Et je tombais dans le néant. Dans un néant absolu. Une mort de l'être entier dont j'étais tiré, brusquement, horriblement, par l'horrible sensation d'un poids écrasant sur ma poitrine et d'une bouche qui mangeait ma vie sur ma bouche. Ces secousses-là, je ne les ai rien de plus épouvantable. Figurez-vous un homme qui dort, qu'on assassine, et qui se réveille avec un couteau dans la gorge. Et qui râle, couvert de sang. Et qui ne peut plus respirer. Et qui va mourir. Et qui ne comprend pas. Voilà! Mais arrêtez ça! Monsieur Prunier, c'est vous qui provoquez ceci. Votre agitation cérébrale est trop intense. Tous les objets étaient demeurés immaculés, bien qu'on y eût touché, car ma serviette n'était point comme je l'avais posée. De plus, on avait bu de l'eau et du lait. Je sens, mesdames et messieurs, que je raconte cela trop vite. Vous souriez, votre opinion est déjà faite. C'est un fou. Une main invisible le soulevait. Elle resta suspendue dans l'air, immobile, toute seule, effrayante. Alors, saisie d'une épouvante folle, je me jetais sur elle pour la saisir. Je ne trouvais rien. Elle avait disparu. Certain, comme du jour et de la nuit, il existait près de moi un être qui m'avait hanté, qui m'avait quitté et qui revenait. Et je compris qu'il était là, lui. Alors, je descendis en courant.
et je pris dans ma cuisine deux bidons d'huile que je renversais sur les tapis et sur le meuble du salon situé sous ma chambre. Puis j'y mis le feu et je me sauvais après avoir bien refermé à double tour la porte d'entrée. Une flamme, une grande flamme, rouge et jaune, longue, molle, caressante, une flamme monta le long du mur blanc et le baisa jusqu'au toit. Un cri déchirant, suraigu, horrible, un cri de femme passa dans la nuit, commença de s'ouvrir. Il n'était pas mort. Hypnotisme, magnétisme,